Première soirée hier à l'Electro Beach du Bar Carès et première décharge de décibels. Sur la scène techno, l'anglais Carl Cox, pointure internationale du mix électro, un coup de fouet pour démarrer le festival. Grosse ambiance aussi devant la grande scène, avec effet visuel toujours aussi impressionnant. Ambiance hypnotique et succession de DJ. Ici le français DJ Snake, devenu star planétaire depuis quelques années. Disponible pour ses fans, un peu moins pour la presse. Il est de retour au festival pour la troisième fois. DJ Snake aujourd'hui c'est le DJ français le plus connu, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Il est je pense un cran au-dessus de Guetta. Guetta il a été très bon, il est encore bon, mais bon c'est DJ Snake qui a pris la relève. C'est le DJ le plus connu de cette génération. Et voilà, c'est du bon son, on bouge bien, on danse bien, on se régale. L'Electro Beach célèbre cette année ses 10 ans, un festival vecteur de notoriété pour la commune du Barcarès au fil des années. Nous sommes le plus grand festival électro de France, troisième festival, tout festival confondu. C'est vraiment devenu, certes c'est le festival de Barcarès, mais aussi c'est devenu le festival de la région Occitanie. Au terme de 10 ans, on a atteint une notoriété qui nous permet de dire que Electro Beach, c'est devenu une marque. Une marque que certains pays comme la Chine ou la Russie pourraient acquérir en vue de produire ce même festival, affirme la mairie. En attendant, grosse vibration encore ce soir avec notamment le Hollandais Martin Garrix.